Imaginez, vous êtes en train de vous balader avec la personne que vous aimez. Et d'un coup, vous entendez des insultes et qu'on vient vous frapper. C'est ce qui est arrivé à une de mes amies. C'était en seconde. Elle se baladait avec sa copine et d'un coup, au loin, elles ont entendu des insultes. Pourquoi Parce qu'elles sont lesbiennes. Et cela me révolte. Vous avez deviné de quoi je vais vous parler Je vais parler d'homophobie. Alors, c'est quoi c'est quand une personne insulte, discriminise, frappe en raison de l'orientation sexuelle. Alors, pourquoi ça me révolte Parce qu'ils vivent une injustice. Alors, parce que c'est deux femmes ou deux hommes qui s'aiment, on se donne le droit de les insulter gratuitement. Trouvez-vous ça normal Avez-vous la moindre idée de ce qu'ils subissent au quotidien Ils sont rejetés par la société, voire même leur famille. Un peu plus de 70 000 hospitalisations pour cause suicide ou dépression. Au total, c'est 53 de personnes LGBT qui ont fait l'objet d'une forme d'agression à caractère homophobe. Maintenant, je parle à vous homophobes. Avez-vous déjà réfléchi à ce, qui leur, à ce qui vous gêne dans leur attitude Le problème est vous qui insultez, maltraitez et jugez. Ou eux dont leur seul reproche que vous leur faites, c'est de s'aimer. Et à vous, toutes les victimes, continuez à vous battre, continuez à vous aimer, car votre souffrance aujourd'hui est un sacrifice pour un lendemain meilleur.